on fabrique une cabane. Et on a bientôt fini. Ça va, Yoko? Moi, ça va. Et la cabane, elle est toujours là? Mais qui pourrait nous aider à en construire une? Ne t'inquiète pas, je connais quelqu'un qui va nous aider. Ne bouge pas, je reviens. Et vous les amis, vous aimez faire des cabanes? Oh oui, Yoko! Tada! Je vais dessiner un castor. Les castors adorent construire les cabanes. Un castor! Oui, ça c'est une idée. À quoi un castor? Tu vas voir. Je commence en dessinant la tête avec deux petites oreilles de chaque côté. Je continue en faisant le dos plein de poils. Là, je lui fais sa queue comme ça, avec des petits traits dedans. Et ensuite, une patte arrière et puis l'autre. Je dessine le ventre et une patte avant. Et enfin, je rejoins la tête du castor avec mon trait. Et je n'oublie pas sa deuxième patte avant. Titou, je peux faire ses yeux et son museau? Mais bien sûr, Yoko. Youpi! Je fais deux points pour ses petits yeux, un grand rond noir pour son museau. Voilà! Et il reste le plus important. Vous voyez ce que c'est, les amis? Oui! Les dents! Bravo! Ces dents lui servent d'outils pour ronger les branches. Alors, je dessine deux carrés pour ces deux connards. Maintenant, il ne reste plus qu'à... le colorier! Exactement! Youpi! Bien sûr, nous les castors, nous adorons construire des cabanes. Youpi! Hé, arrêtez! Il faut construire une cabane, pas ronger du bois. Chère mademoiselle, nous les castors, nous passons notre temps à ronger, sinon nos dents poussent, poussent, poussent! Bah ça alors! Avant, il ne te reste plus qu'à dessiner l'autre patte avant. Là, tu fais ses yeux et son museau. Et puis ses dents, très important. Et tu le coloris comme tu veux. Bonjour les amis, ça peut vous aider? Non merci, nous avons déjà une belle cabane. Ça, une cabane? Mais il lui manque un étage.
Oh là là, fort. Comment ça, ralala de feu? Mais c'est une très belle cabane, ça. C'est pas une très belle cabane. Alors viens m'aider. Et maintenant, à vous de jouer. Au revoir, les amis. Au revoir, bisous. Des pays où il y a beaucoup de neige. Alors je commence par la tête en forme de bosse. Puis je fais un rond pour le museau. À l'intérieur, j'ajoute un trait pour la bouche et deux points pour les narines. Je finis la tête en rajoutant deux oreilles décollées. Et moi je dessine les yeux. Voilà. Et maintenant, je continue le trait pour faire le dos. Et une petite queue. Puis je descends et je fais deux pattes arrière. Ensuite, je tire un trait pour le ventre. Et maintenant, c'est deux pattes avant. Oui. Et je termine par le cou. Et des sabots. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Il lui manque quelque chose sur la tête. Tu vois ce que c'est, Yoko? Un bonnet? Mais non! Pas un bonnet! Sur la tête, le renne porte des... Bois! Oui! Des bois sur la tête. Ils servent au renne à fouiller dans la neige pour se nourrir, mais aussi à se défendre. C'est comment les bois? Comme des petites branches. Mais les bois des rennes sont très solides. Comme ça? C'est ça, bravo! Maintenant on peut le colorier. Avec du rose sur ses sabots et son museau. Bonjour Laurel, je m'appelle Didou. Voici mon ami Yoko. Bonjour les amis. Laissez-moi deviner. C'est votre luge? Oui. Et Didou aimerait bien faire un tour de luge. Une seconde. Je dois tout d'abord vérifier le matériel. Luge équilibrée, patins en bon état et une corde solide pour tirer. Tout est en règle. Vite Didou, monte! Une seconde. Il faut m'attacher. Est à bord? Oui! C'est parti! Attention, on s'accroche bien! Hourra! Pour faire un renne, tu commences par sa tête, puis tu dessines un rond pour le museau. Sans oublier les narines et la bouche. Tu ajoutes deux oreilles décollées et deux points pour les yeux. Puis tu descends vers son dos et sa queue.
des sabots. Et tu rajoutes les bois sur la tête. Et tu peux le colorier de la couleur de ton choix. Alors les amis, prêts pour un autre tour? Oh oui! Qui adore le miel, et vous en avez sûrement un en peluche chez vous. Un ours! Bravo! Ne bougez pas, je reviens. Oh oh! Mais je sais, on n'a pas encore cherché. Ah! Me voilà, Yuko! Mais où est-elle passée? Dans le bocal! Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche le miel, mais j'ai trouvé la farine. Pour dessiner un ours, je commence par sa tête, toute ronde, avec deux petites oreilles rondes. Ensuite, je fais encore un rond pour son museau, avec un gros point pour sa truffe et un trait pour sa bouche. Et moi, je lui fais ses yeux. Deux points. Voilà. Maintenant, je dessine son corps. D'abord son dos, je rajoute sa queue, son ventre, puis ses pattes. Je l'ai fait, je l'ai fait. Tu dessines quatre pattes bien grosses. Une, deux, trois et quatre. Et n'oublie pas des petits traits pour ses griffes. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... le colorier! Bonjour, je m'appelle Edgar. Bonjour, Edgar! On voulait faire du pain d'épices, mais on a perdu notre miel. Tu veux bien nous aider à le retrouver? Oh, oui! Mais qu'est-ce que ça sent bon par là? Oh, mais il y a plein de bonnes choses par ici. Hé, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je goûte, juste pour vérifier que ce n'est pas du miel. Mais tu veux laisser ça? Désolé, je ne peux pas m'en empêcher. Allez, donne-moi un peu. S'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est un vrai glouton, celui-là. Mais dis donc, fais quelque chose. Pour dessiner un ours, tu commences par sa tête toute ronde. Avec deux petites oreilles rondes. Tu fais encore...
encore un rond pour son museau, un gros point pour sa truffe et un trait pour sa bouche. Et tu rajoutes 2 points pour ses yeux. Puis tu fais son dos, la moitié d'un rond pour sa queue, son ventre, puis ses pattes. 1, 2, 3 et 4. Et n'oublie pas ses griffes, des petits traits. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Lucie. Bonjour Lucie, on voudrait faire du pain d'épices, mais nous avons perdu notre pot de miel. Et Edgar est bien trop gourmand pour nous aider. C'est normal. Nous les ours, nous sommes très gourmands et nous mangeons de tout. Nous sommes omnivores. Nous mangeons les fruits, les céréales, la viande, le poisson et du pain d'épices quand il est bon. D'accord, mais il faut retrouver notre pot de miel. T'inquiète pas, les ours ont un excellent odorat. Je vais trouver ton pot de miel facilement. Voilà! Youpi! Merci beaucoup! Oh non! Dis donc, Edgar a mangé tout le sucre! On ne peut plus faire la recette! Désolé! J'ai peut-être une solution. Qui veut du miel? Moi! Et maintenant, si tu veux dessiner un ours, à toi de jouer! À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! Vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Bonjour, les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Devinez à quoi on joue. Au petit chaperon rouge. Bravo. Et moi, je suis le grand méchant loup qui s'est déguisé en grand-mère. Et moi, le petit chaperon rouge. Allez, on continue, Didou. Mère Grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Mère Grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux. Mais ça ne va pas du tout, Didou. Tu ne fais pas bien le loup. Tu n'arrêtes pas de rire. C'est difficile de jouer les méchants, mais je sais ce qu'il te faut. Un vrai loup. Ne bouge pas, je reviens. Un loup? Un vrai loup? Youpi! Lui, il saura jouer les méchants. Me voilà! Pour dessiner un loup, je commence par faire une pointe pour son oreille. Et encore une pointe pour la deuxième oreille. Ensuite, je fais ses joues. Avec des pointes sur les côtés pour faire ses poils. Et comment tu fais son museau? Je fais un triangle avec un rond pour sa truffe. Et sa bouche? Tu tires un trait comme ça. Et pour finir sa tête, il ne manque plus que ses yeux. Je l'ai fait, je l'ai fait! 2 traits pour ses yeux. Bravo, Yoko! Ensuite, je fais un trait tout droit pour son dos. Et je descends pour faire la queue. Maintenant, je dessine ses pattes. 1, 2, un trait tout droit. 3 et 4. Sans oublier le bout de ses pattes avec des griffes. Et maintenant, il faut le... colorier. Bonjour, je m'appelle Raoul. Bonjour, moi c'est Didou et mon ami s'appelle Yoko. Tu veux jouer au petit chaperon rouge avec moi? Au petit chaperon rouge? Encore? Oh, j'en ai par-dessus les oreilles de jouer les méchants loups.
à cause du petit chaperon rouge. Et tout le monde croit que les loups sont méchants. J'avoue que c'est un peu vrai. Nous, les loups, nous ne sommes pas plus méchants que les autres animaux. Et nous avons beaucoup de talent. Nous savons chanter, par exemple. Ah, 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 ah. Dis donc, et mon spectacle de petit chaperon rouge? Pour dessiner un loup, tu commences par la tête. Tu fais une oreille en forme de pointe. Et l'autre oreille. Ensuite, tu fais trois pointes de chaque côté pour ses poils. Tu dessines un triangle pour le museau avec un rond pour sa truffe. Tu ajoutes sa bouche en tirant un trait. Et deux petits traits pour ses yeux. Ensuite, tu fais un trait horizontal pour son dos. Et tu redescends pour faire sa queue. Tu dessines ses pattes. Un trait pour son ventre. Et ensuite, ses pattes avant. Et tu rejoins la tête. Sans oublier les griffes au bout de ses pattes. Et tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Ludo le louveteau. Bonjour Ludo, tu veux jouer au petit chaperon rouge? Oui, je fais le petit chaperon rouge. Youpi! Coucou! Toc toc toc! Qui est là? C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge. Entrez. Ma grand-mère, comme tu as de grandes oreilles. C'est pas des oreilles, c'est des antennes. Ma grand-mère, comme tu as de grands yeux. Tu trouves? Ma grand-mère, comme tu as de grandes dents. Ah mais non, j'ai de toutes petites connottes, moi. Quel spectacle! Très original, Yoko. Merci, merci. En tout cas, il y a une chose dont je suis sûre. Ce n'est pas facile de jouer les méchants quand on est aussi gentil que moi. Ah. Et maintenant, si tu veux dessiner un loup, à toi de jouer. Au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Ah. Notre partie. Un animal qui siffle très bien. Ne bougez pas, je reviens. Un animal qui siffle très bien? Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Vous avez une idée, les amis? Un oiseau peut-être? Mais oui, bien sûr, c'est un oiseau. Me revoilà. En fait, ce n'est pas un oiseau. C'est une marmotte. Bon, ça siffle une marmotte? Mais oui, vous allez voir. Vous voulez dessiner une marmotte avec nous, les amis? Oh oui! Pour dessiner une marmotte, je commence par sa tête un peu allongée et je lui fais un petit museau. Et moi, je fais ses oreilles toutes rondes, ses yeux.
Je fais un trait pour sa bouche et deux carrés pour ses dents. Bravo, Yoko! Maintenant, il lui faut des moustaches. Je l'ai fait! Trois petits traits de chaque côté. Je dessine son dos un peu arrondi. Je fais ses pattes arrière. Une et deux. Comme ça, elle pourra courir très vite pour suivre la partie de football. Oui, Yoko! Et maintenant, je remonte pour faire son ventre. Je dessine ses pattes avant. Une et deux. Et moi, je trace des petits traits au bout de ses pattes. Là. 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 Et là. Très bien, Yoko. Pour finir, je dessine sa queue. Et maintenant, il faut là... colorier! Bonjour Mathilde, voici Yoko, Sophie et moi c'est Didou. Vous en avez un beau ballon? Elle siffle drôlement bien. Oui, et elle n'a même pas besoin de siffler. Vous jouez au football? Oui Mathilde, et justement... on fait une partie. Vous savez, nous les marmottes, nous sommes très joueuses. En fait, on voulait te demander de faire l'arbitre. L'arbitre? Oh non, moi je veux jouer avec vous. Allez Sophie, je te prends dans mon équipe. Toutes les deux contre Didou. Oh oui. À deux, on a plus de chances de gagner. On va te battre Didou. Ah, je demande à voir. Mais Didou, moi je ne fais pas l'arbitre, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, j'ai la solution. Pour dessiner une marmotte, tu fais sa tête un peu allongée, son museau et ses oreilles. Tu dessines ses yeux, sa bouche et deux carrés pour ses dents. Et tu rajoutes ses moustaches. Ensuite, tu descends pour faire son dos. Tu dessines ses pattes arrière. Tu remontes pour faire son ventre et tu dessines ses pattes avant. N'oublie pas les petits traits au bout de chaque patte. Ni sa queue. Et quand ta marmotte est terminée, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour, je suis Martin. Bonjour Martin, on a besoin d'un arbitre pour notre partie de football. Alors je suis la marmotte qu'il vous faut. J'adore le football et par-dessus tout, j'adore siffler. Comment tu fais? Tu me montres? C'est facile! Tu fais un rond très serré avec ta bouche et tu souffles doucement. Vous avez entendu? Je sais presque siffler! Oh oui, Yoko! Presque! Et vous, les amis, vous y arrivez? Bravo! Pas mal du tout! Et maintenant, tout le monde à place, la partie reprend! Youpi! Allez Sophie! Allez Mathilde! Allez Didou! Et maintenant, si tu veux dessiner une marmotte, à toi de jouer! À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! À bientôt Sophie! Regarde qui est là! Bonjour les amis! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis! On cherche le doudou de Sophie. C'est un petit ours en peluche. Vous ne le voyez pas par hasard? Non! Désolé Yoko! C'est normal! La nuit va bientôt tomber et on voit de moins en moins bien. Mais comment on va faire pour retrouver le Didou doudou? Le doudou Didou. J'ai une idée. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Attends-moi là, je reviens. Oui, mais fais vite quand même. Je n'aime pas trop rester toute seule dans le noir. N'aie pas peur, Yoko. On est là. Oh.
n'ai pas vraiment peur. Ah, c'est quoi ce bruit? C'est moi, Yoko. Je vais dessiner un hibou. Car le hibou est un oiseau qui voit très bien la nuit. Et comme ça, il pourra retrouver le doudou de Sophie. Youpi! C'est comment un hibou? Tu vas voir. Pour dessiner un hibou, je commence par la tête. Je fais une pointe, un trait pour le haut de la tête et une autre pointe. Ce sont ses oreilles? Non, ce sont des touffes de plumes. On appelle cela des aigrettes. Les oreilles du hibou ne se voient pas. C'est pas comme les tiennes. Tu as raison. Je finis sa tête en faisant un gros carré arrondi sur les côtés. Et puis, je fais ses yeux. Deux grands yeux. Avec un petit trait à l'intérieur. Avec des yeux pareils, c'est normal qu'il ait une bonne vue. Tu as raison. Puis tu dessines un bec crochu. Je fais un croissant pour le haut du bec et un demi-rond pour le bas. Je fais un trait arrondi pour son ventre. Je descends pour faire sa queue, puis je remonte jusqu'à sa tête. Je lui fais deux ailes allongées. Et moi, je fais ses pattes. D'accord, deux petites bottes. Parfait, Yoko. Et maintenant, il faut... le colorier! Évidemment, ma chère, je suis Luc, le grand duc. Hein? Vous êtes un duc? Un vrai duc? Et c'est le nom de mon espèce. Chez les hiboux, il y a de nombreuses espèces. Le petit duc, le moyen duc, mais le plus grand, c'est moi. Le grand duc. Voilà, cher Luc, ma petite sœur a oublié son doudou dans le jardin. Pourriez-vous nous aider à le retrouver? Mais très certainement. Les grands ducs ont une vue excellente. Et je peux tourner la tête presque entièrement. Ce qui me permet de voir de tous les côtés. Incroyable, non? Incroyable, non? Et j'entends aussi très très bien. Ah bon? Ah, je le vois d'ici. Un petit ours en peluche, c'est ça? Oui, c'est ça! Youpi! Et voilà! Comment vous remercier? Ce que vous pourriez faire pour moi! Mais rien, voyons! Moi, le grand duc, j'ai déjà tout! Il ne me manque rien! Dis, on peut pas trouver quelque chose pour lui clouer le bec, Didou? Pour dessiner un hibou, tu commences par la tête. Tu fais une pointe, un trait pour le haut de sa tête et une deuxième pointe. Puis tu finis la tête en faisant un gros carré arrondi sur les côtés. Après, tu fais ses yeux. Deux grands yeux avec un petit trait à l'intérieur. Puis tu dessines un bec crochu. Un croissant pour le haut et la moitié d'un rond pour le bas. Tu fais un trait arrondi pour son ventre, tu descends pour faire sa queue et tu remontes jusqu'à sa tête. Et tu dessines les ailes. Il ne te reste plus qu'à faire ses pattes, comme deux petites bottes. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Elle est belle. Salut, moi c'est Charlotte. Bonjour Charlotte. Notre ami le hibou s'appelle Luc. Et d'habitude, il a plus de conversation. Luc, t'as de beaux yeux, tu sais. Et maintenant, si tu veux dessiner un hibou, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt les hiboux. À bientôt Yoko. Bonjour les amis! Oui,
Bonjour, les amis. Achou! Ah! Ah, voilà. Impeccable. Impeccable. Bonjour, le castor. Que fais-tu? Eh bien, je nettoie devant chez moi. Ton terrier se trouve dans ces rochers? Oui. C'est le plus beau des terriers, oui. Je le sois impeccable. Désolée, je suis un peu enrhumée. Je ne peux plus entrer. J'ai une idée. Et si on utilisait un véhicule spécial qui sert à dégager la neige? Les amis, vous savez comment s'appelle ce véhicule? C'est un chasse... Un chasse-neige! Bravo! Ne bougez pas, je reviens. Je suis vraiment des... Épla! Désolée. Me voilà. Pour dessiner un chasse-neige, je commence par dessiner des roues avec de gros pneus. Deux à l'arrière et une à l'avant. Ensuite, je fais un grand rectangle pour l'arrière du véhicule. Et à l'avant, c'est comment? C'est la cabine du conducteur. C'est un grand carré arrondi. Comme ça. À l'intérieur, je fais un carré pour la fenêtre et un triangle arrondi pour le pare-brise. Et moi, je fais un carré pour le phare. Et sur le toit, je dessine la moitié d'un rond pour faire le gyrophare. Maintenant, j'ajoute 5 traits sur chaque roue pour faire les chaînes. Des chaînes? Mais pourquoi faire? Pour éviter aux roues de glisser sur la neige. Et là, je dessine les garde-boues. Mais comment cette machine va dégager mon terrier? Grâce à sa pelle. Je fais d'abord un petit rectangle, puis un plus grand rectangle arrondi sur les côtés. Et maintenant, il faut le... colorier! Propre
chasse-neige. C'est vrai,